Alors bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, ils se retrouvent pour un truc un petit peu spécial puisque la mise à jour EpoSec n'est pas encore sortie. Voilà, et vous commencez peut-être à vous emmerder, bien sûr. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on sort aujourd'hui un petit tutoriel vidéo. Oui, qui n'est pas forcément de Minecraft. C'est un rapport bien sûr avec Minecraft. Un peu comme d'habitude. Voilà. Sûr, mais... Alors ce que vous voulez vous montrer, alors ce n'est pas le fait d'écran derrière, puisque tout le monde connaît bien sûr Sonic Unbelievable Shader, bien exactement, sûr, mais on va pas qui ne finit pas de faire des mises à jour pour bien sûr ses shaders, bien sûr. Exactement. Alors aujourd'hui on est là pour vous montrer un petit logiciel qui s'appelle Chunky et Chunky. Qui permet bien sûr de faire des screens de plutôt bonne qualité. De bonne qualité, alors par exemple si je mets un plein d'écran comme ceci, on peut voir que c'est extrêmement détaillé et c'est surtout très important, c'est-à-dire qu'il y a e-shader. Alors je précise d'ailleurs, c'était un logiciel, ce n'est pas un mode. Ce n'est pas un mode de Minecraft, oui, parce que le jour où vous verrez Minecraft jouer de cette manière-là, je pense que déjà votre PC souffrira un petit peu. Oui, et... un petit peu. Peut-être qu'une demi-heure, vous aurez ce genre de rendu, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Alors voilà, tout ce qu'on peut avoir, on peut voir que même la lave ici fait de l'illumination, etc. Et on peut voir que l'horizon est infini, surtout dans ce genre de trucs-là. Aussi, bien sûr, rajouter du flou. Bien ouais, sûr, du flou de mouvement, en quelque sorte, enfin du flou d'objectif, je veux dire. Et vous pouvez voir que c'est des rendus qui sont très satisfaisants, bien sûr, du flou d'objectif de feu, bien sûr. L'eau est très satisfaisante aussi, ça permet d'avoir réaliste très très sympathique. Et tout ça, ça n'a presque aucune configuration, et c'est très simple et c'est voilà. Très rapide. Voilà, faut juste avoir un très bon ordi pour ne pas passer un siècle à faire un screen en 1080p, sinon vous allez vous emmerder aussi. Alors, vous voyez que le feu aussi fait des petites choses. On voit que l'eau est très bien détaillée. Voilà, ça peut faire des scripts de près comme de loin. C'est très important. Vous pouvez voir même de haut. Alors, sur tous les aigles, bien sûr, c'est très important. La nuit aussi. Alors là, c'est juste un petit peu le coucher de soleil, comme ceci. Des scripts comme ceci. Alors là, aussi, à l'intérieur, alors je précise qu'à l'intérieur ça prend beaucoup plus de taille. C'est pour ça que déjà que j'avais un ordi plus seul le jour où je l'ai fait et ça m'a pris une journée entière. Et il y a encore des parasites dans le faux, enfin vous le verrez bien. Exactement. Enfin, même là, c'est un intérieur un peu spécial étant donné qu'il y a de la lave. Il y a de la lave, donc le seul éclairage vient de la lave. Vous pouvez voir que c'est la nuit et on peut changer le feu, c'est-à-dire que le ciel, si ça vous plaît pas, on peut mettre un ciel réaliste. Exactement, dans une ça se trouve exactement sur internet, si vous voulez, on pourra vous mettre des liens. Voilà, le problème c'est qu'il me semble que ça peut être payé, ce qui est relativement cher. Il risque d'être payé exactement. Ouais, mais on n'utilise pas souvent ça parce que ça fait pas toujours très réaliste, bien sûr. Exactement. Alors voilà d'autres screens. On peut voir que bien sûr l'horizon est absolument à couper le souffle. Alors je précise bien sûr pour ceux qui ne savent pas que les screens ont été pris sur une map de notre serveur. Ouais, sur ce Tilcraft bien sûr, comme toujours. Alors, vous voyez que l'horizon est très bien, et ça, c'est la map Freebuild. Tout le monde peut construire dessus. Voilà. Alors, ça, c'est la ville Babib de Rathorn, bien sûr. Et ça, c'est. Gravitopolis de Rathorn et de Jay Patrix qui se était. C'est un super. Je ne sais pas pourquoi on rigole, mais c'est rigolo. Alors, ces deux seigneurs qui sont modérateurs, seigneurs sur le serveur Sutilcraft qui nous aide bien à faire des choses assez incroyables. Voilà. Enfin bref, on finit pour l'introduction peut-être. Voilà, et l'introduction. On va vous mettre ou télécharger déjà ce logiciel. Ouais, alors on va vous mettre le lien dans la description voilà, parce qu'on n'a pas que ça de plus à foutre, bien sûr. Vous n'êtes pas si code pour entrer à lien d'une barre d'adresse quand même. Ouais, quand même, c'est même pas entrer le lien, il faudra cliquer. Attention, c'est dur, il faut. Pour presser le doigt contre la souris, et attention, la souris doit être sur une planche telle, un truc solide. Voilà. Sinon, bien sûr, vous ne pourrez pas appuyer, bien sûr. C'est logique. Alors voilà, il vous présente grossièrement. Alors, il suffit de télécharger l'installeur ou quoi que ce soit. Ça dépend, si vous êtes sur Mac, bien sûr. Ouais, enfin, faut pas être débile. Hein. Vous êtes très. Donc, voilà. Vous téléchargez, vous faites pas chier. Après, vous sur... avez. Après sur Macintosh, bien sûr, on n'a pas de Macintosh soi-même, donc on va pas pouvoir vous faire un tutoriel détaillé là-dessus. Mais en gros, bien sûr, c'est la même chose. C'est la même chose, bien sûr. Alors nous avons déjà installé le tout. Alors on va vous être très bien sûr comment il s'appelle le logiciel Chunky, bien sûr.
Et bah tiens, on va mettre celui-là, Chunky More Memory. Et vu qu'on est sur un ordi portable moisi, on va prendre le processeur graphique Nvidia, bien sûr. Les cartes graphiques un peu moisies, puisque notre processeur veut toujours s'occuper de tout. Voilà, bien sûr. Alors qu'il le fait très mal. Mais c'est pour ça qu'on est obligé de prendre une carte graphique. Alors, on va dézoomer tout d'abord. Et voilà, donc le logiciel se présente comme ça. Donc vous avez la map de dessus de manière très grossière, sans ombre, sans rien. On va d'abord faire un truc, on va load le texture pack qui vous intéresse. Puisque vous pouvez choisir le texture pack de votre choix. Voilà, donc on prend d'autres texture pack qu'on aime bien. Et voilà, donc ça s'est rechargé. Et maintenant, il suffit de naviguer comme ceci pour aller chercher l'endroit que l'on va vouloir rendre, bien sûr. Exactement. Que c'est un logiciel qui prend beaucoup de puissance, bien sûr. Voilà, c'est pour si c'est possible que là ça prenne un peu de temps vu la puissance. Voilà, donc on va aller à l'endroit où on fait aller, on fait une petite coupure, on vous retrouve juste après. A tout de suite. Alors, nous revoici, nous avons trouvé bien sûr le petit endroit qui nous intéressait, bien sûr. C'est la maison des joueurs qui a fait une maison sympathique, bien sûr. Voilà. Qui s'appelle Ekdra par la même occasion. Ekdra qui a fait une maison très très spéciale et très sympathique qu'on va vous faire découvrir grâce à ce petit raid du Shaky, bien sûr. Exactement. Alors, si le logiciel bug et vous pouvez plus rien vous en dépatouiller, il suffit simplement d'aller ici et de fermer l'accueil sol ici. Exactement. Ça va directement tout fermer et sans poser de questions. Pas besoin d'aller dans le gestionnaire des tâches, un truc un peu merdique sur Windows, surtout si ça bug. Parce que Windows nous a fait un super beau menu, seulement on y va que quand ça bug. Et le problème des beaux menus, c'est que ça prête de la puissance et quand ça bug, ça fait chier. Et quand ça bug, on peut pas mettre ça, bien sûr. Enfin, voilà. Pas tout était. Enfin bref. C'est de la merde. On n'est pas là pour vous expliquer ça, on est là pour vous expliquer comment marche le logiciel. Voilà, alors je vais sélectionner des chunks que je vais vouloir rendre, bien sûr, puisque bien sûr la map est tellement grande qu'on va pas s'amuser à faire un rendu de tous les chunks, bien sûr. Exactement. Alors je fonce là tout ce mage, bien sûr, comme ceci, et je clique comme ceci de manière à faire un grand carré rouge et simplement sélectionner ma zone que je souhaite rendre, bien sûr. Exactement. Alors, vous pouvez aussi les sélectionner à la main, bien sûr. Voilà. Si vous cliquez à la main, droit pour cliquer. Ceci, voilà. Comme des abrutis, mais ça, c'est pas notre problème. Ça, alors, on va faire clear sélection si on veut, on s'est trompé, et voilà. Il suffit simplement de refaire. Alors, il est déconseillé, bien sûr, de faire une sélection trop grande. Voilà, sûr. Puisque la quantité de stock à charger, vous allez voir, c'est déjà très très lourd à charger. Simplement comme ceci, en fait, c'est parce qu'il va devoir charger la scène et ensuite on va faire le rendu 3D avec la lumière et tout qui prend des siècles et des siècles. Exactement. En général. Mais si vous avez un ordi puissant, ça vaut le coup. Je précise que les autres trucs, c'est pas très important. Vous pouvez faire les caves, les biomes, n'importe quoi. Après, c'est pas ce qui est utilisé le plus souvent. Voilà, ce qui est utilisé le plus intéressant avec ce logiciel, c'est de créer une scène, bien sûr. De ce DLC là, oui, parce que vous pouvez sauvegarder une scène et le nom c'est Epic World, bien sûr, c'est le nom, bien sûr, de notre map. Exactement. Alors ici on a un petit chargement de T-Shock, bien sûr. De T-Shock, là il y a 1655 T-Shock. Alors moi avec mon gros PC, commence à bugger à partir de 10 000, 12 000 T-Shock, bien sûr, où ça commence à avoir du mal à les charger. Est-ce que je précise que les scripts que vous avez montrés ce matin, on les a pas fait avec ce PC, sinon ça nous aurait pris 3 ans. C'est juste là, on n'a pas le PC gros sous la main. Adéquat, ouais. Je vais peut-être faire une coupure parce que là, il n'arrive même pas à charger. Ah, si. Ça va un peu plus vite. Peut-être qu'on va pas couper, bien sûr. On va pas couper. Pour le deuxième chargement. Voilà, le deuxième chargement. Alors là, il fait un autre truc. Alors je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, je sais que ça marche après ça. Voilà, alors là, très simple. Donc là, une petite fenêtre de RAID du 3D. De 4 subpixels par 4 subpixels viennent de s'ouvrir juste au centre de notre map. Alors, une chose importante, c'est que la résolution 4 subpixels par 4 subpixels, ça fait chier. Alors, on va faire simplement une 1920 par 1080. Voilà. Full HD. Full HD. Alors là, c'est pas pratique, comme vous pouvez le voir, pour naviguer. Ça bug comme de la grosse merde. Voilà. Alors, il suffit de faire Alt pour dire à l'ordinateur de nous prendre que la moitié, bien sûr, de tout ça. Alors, on va placer, par exemple, là, vous avez une navigation 3D. Il suffit de se placer à un endroit voulu, voilà. Bien sûr. Alors, les mêmes touches que de Minecraft. Alors, aveu, il faut se placer en clavier QWERTY, donc Alt plus Maje Scul, comme tout à l'heure. Et voilà, j'ai les commandes
logique, quoi. Voilà, c'est très simple. Après, vous devez savoir quoi faire, vous déplacez. C'est pas très compliqué. Donc, on peut voir que la map a été rendue en 3D et que c'est plutôt satisfaisant, bien sûr. Donc, il y a un certain nombre, bien sûr, ici D'éclairage. D'éclairage, bien sûr, enfin, de paramètres à mettre. Alors, SPP Target, tout d'abord, alors, c'est dans le général. On va commencer ici. Alors, on peut sauver la scène si vous n'avez pas envie de revoir le chargement de tout boisi, mais sauver la scène, c'est tellement long que des fois, autant vaut mieux resubir le chargement, c'est quand même plus pratique. On peut voir, voilà, donc ça, c'est des trucs, il suffit de comprendre un peu l'anglais pour que ça marche, bien sûr. Il y a Google, hein. Et si par exemple vous vous dites « Oh merde, j'ai oublié de sélectionner une boule de check », vous resélectionnez avec la touche Maj et un autre carré comme ceci et vous refaites « Load Selected Check ». C'est très simple à faire. C'est très utile. Donc alors là, on a bien sûr la résolution de l'image que final, on a bien sûr, du rendu. Alors, et de l'aperçu, bien sûr, puisque aussi, c'est ça sûr. Qui va rendre, bien sûr. Exactement. Et ensuite, il suffit, qu'est-ce qu'il y a ? Stillwater, alors je ne sais plus exactement ce que c'est, Stillwater. Clearwater, c'est pour voir sous l'eau, enfin, rendre l'eau très transparente. Enable Biome Color, etc. Enfin, ça, c'est que des conneries. Ça, Save Dump, on peut faire toutes les save frames. En fait, ça, c'est pour sauvegarder votre fichier d'image, puisque vous allez voir qu'il va prendre des exemples de petites images et qui va rajouter. En fait, il va faire le rendu pixel à pixel. Et au bout de 5 fois sans balayage, il va faire une save, ce qui est plutôt pratique. Donc après, SPP Target, c'est très simple. C'est la fête du rendu. 1000 en général, c'est bien pour un extérieur. Pour un intérieur, il faut taper du 8000 ou du 9000. Enfin. Ça vous prend un siècle et demi, mais on va pas le faire ici parce que c'est bien casse-couille. Déjà qu'on a un ordi de merde. Voilà, alors ça c'est start, bien sûr. Enfin, je dis qu'on a un ordi de merde, mais il fait quand même 8Go de RAM et 2Go de carte graphique. Oui, donc, et c'est un Core i7, bien sûr. C'est un processeur qui n'est pas fait pour ça, on va dire. C'est voilà, un processeur d'ordinateur portable pas fait pour ça. Alors start, c'est pour commencer le radio, on va vous montrer ça tout à l'heure. Ensuite, Save Cure et Frame, c'est pour sauvegarder l'image à l'est où vous êtes tout de suite ici. Alors, vous voyez que là, en général, je touche pas à ça, à moins que si vous voulez que le soleil soit à certains endroits, l'altitude, etc. Ça, c'est simplement si vous voulez l'orientation du soleil. Et surtout pour les ombres, c'est important. Les ombres, si vous avez un truc et c'est caché par une ombre d'un arbre, c'est dégueulasse. Vous pouvez toujours changer. Du soleil et puis c'est bon. Voilà. Alors, ensuite, l'eau c'est de scale. C'est le skymap que vous expliquais tout à l'heure. Voilà, c'est les ciels qu'il suffit de télécharger. Il faut un truc en énorme résolution. Exactement. Et des fois, ça rend moche parce que Minecraft, bien sûr, c'est pas totalement réaliste, on va dire. Donc, c'est pas super top. On va enable l'atmosphère, bien sûr, puisque ça rend un rendu flou à la fin, ce qui évite de donner des espèces de polygone tout moche à la fin. Exactement. Enable Metric Fog, c'est pour mettre du brouillard, je crois. Et Enable Cloud, c'est pour foutre des nuages. Des nuages, mais bon. J'avais jamais essayé cette technique, mais voilà, je préfère à la limite que ce soit très beau. Et ensuite, ça c'est pour aller directement à l'emplacement des joueurs, bien sûr. La position que vous voulez. Voilà, comme on le veut, et etc. Alors, ça c'est pour le focus, pour mettre du flou. Après ça, j'ai jamais essayé ça, alors vous verrez bien, il gagne la correction, etc. Ray Def, je sais plus ce que c'est, Waterbot, c'est très important, enfin c'est très pratique si par exemple là je le clique, en fait je vais pas le cliquer parce que ça fait complètement tout bugger, mais enfin sur cet ordre là, du moins. Et en fait, tout là, vous voyez que là, le chuck s'arrête, mais avec le waterbot, l'eau c'est va... C'est comme si les chucks étaient couverts d'eau. Voilà, et c'était AFI, bien sûr. Alors, c'est très joli, c'est très classe, mais... Et ça oblige à recharger des chucks et ça nous pourrit notre mémoire. Voilà, on n'a pas que ça à foutre. Alors, on va faire cause ici. On va se placer à l'endroit voulu. Ouais, par exemple, un endroit qui est relativement stylé, bien sûr. Exactement. Et un endroit stylé... ceci, alors ça n'a aucune importance. Oui, ceci, ça peut donner bien cause ceci. Voilà. On fait, voilà, après vous faites des tests, bien sûr, mais on va pas vous apprendre comment prendre une photo, ça n'est pas le but de la vidéo, bien sûr. Exactement.
Et donc là, vous avez trouvé que c'était ce que vous voulez faire. Alors vous faites ce Start. Peut-être changer la résolution avant et expliquer les... Oui, alors il suffit de cliquer sur double pour doubler la résolution et half pour la minimaliser. Exactement. Mais avec ça, on voudrait vous expliquer le changement de process file. Ah oui, puisque bien sûr, la plupart des ordinateurs n'ont pas un ventirad, bien sûr, d'une puissance extrême, c'est-à-dire d'un refroidissement qui est... incroyable, donc surtout sur les ordi portables. Voilà, au lieu de le faire planter, il est possible de régler quelques paramètres, mais sur Windows. Pour éviter de faire surchauffer votre machine et si elle est mal configurée, de la faire fondre. Alors, pour aussi, il faut aussi des panneaux de configuration. Et ensuite, on va dans l'option d'alimentation, bien sûr. Ah, c'est là, bien sûr, le sablier. Alors, on va dans performance élevée, comme ceci, modifier les paramètres du mode, comme ceci. On va, bien sûr, alors c'est le sursecteur qui nous intéresse, parce bon, que faire un rendu chunky sur matrice, c'est un petit peu... c'est un peu gonfler, exactement. C'est un peu manger, je ne sais pas comment dire, manger de la semoule avec des baguettes, on va dire. C'est pas très pratique. C'est pas très pratique, bien sûr. Alors, bien sûr, on va modifier les paramètres d'alimentation avancée, et... on a une espèce de menu qui est activé comme ceci et on met état maximal du processeur, bien sûr. Il est conseillé de le mettre 80%. 80% pour que ça ait vraiment un impact et que ça fasse vraiment quelque chose. Alors voilà, comme ceci. Et donc normalement le processeur tourne moins vite comme ceci. Évidemment, ça sera peut-être moins rapide, mais au moins il ne va pas surchauffer. Voilà, et si vous le laissez toute une nuit à faire un rendu, il ne va pas planter et finalement n'avoir rien rendu. Alors, t'as oublié de mettre la résolution à 1080p. Ouais, mais je vais pas le mettre en 1080p parce que, voilà, comme tu veux voir, déjà, c'est très très laid. Très laid, bien sûr. Alors, il est possible, bien sûr, d'arrêter le rendu aveugle à fait, bien sûr. Voilà, il suffit de mettre pause comme ceci. Alt, n'appuyez pas sur Alt si vous avez fait un rendu de 14 heures, bien sûr, parce que vous allez être complètement dégoûté. Si j'appuie sur Alt, voilà ce que ça donne. Et retourne au début, quoi. Et ça n'a pas sauvegardé, je précise. C'est... à part, bien sûr, les saves automatiques, mais... ça va pas sauvegarder, alors il faut pas venir pleurer si vous avez appuyé sur c'est Alt. C'est vraiment un cas d'extrême urgence, c'est-à-dire si votre maison crame ou si... peut-être pas, ou simplement si vous voulez réinitialiser, changer de vue, c'est la meilleure chose. Exactement, aussi. Alors, voilà grossièrement le rendu très très simple. Alors on peut modifier bien sûr n'importe quoi, on peut modifier... bref, on vous a expliqué tout ça. On vous a expliqué comment ceci. Le soleil, alors voilà, que les arbres chègent à fonction de là où vous... Voilà, alors là, mon ordinateur commence à laguer, je mets un pause bien sûr. Donc voilà, vous pouvez voir qu'on peut changer, et si vous voulez save le current frame, vous pouvez save comment ceci. L'explorateur va pas vous expliquer comment ça marche. Et c'est du PSG, donc c'est relativement stylé. Et c'est de la bonne qualité, bien sûr. Voilà, c'est pas de la qualité de bouse. Comme YouTube. Voilà. Parfois, bien sûr. Alors, on peut voir que là, il n'a pas tout rendu, il y a encore des pixels blancs, et comme vous pouvez voir, il fait ça pixel à pixel. C'est pour ça qu'il faut lui demander de faire 1000 échantillons avant de nous vous dire c'est fini, bien sûr. Voilà, c'est donc, comme vous pouvez le voir, là, je suis à 7, 8, 9. Alors là, je ne sais pas s'il me dit... il me dit 15 minutes pour ça, mais en même temps, je suis dans une résolution relativement pourrie. Mais... exactement, si vous doublez la résolution, déjà, ça risque d'être un peu plus difficile. Bah, disons que ça va mettre votre temps au carré, bien sûr, puisque c'est longer for... voilà, enfin, vous comprenez, vous savez faire une multiplication, bien sûr. Voilà. Alors, voilà, sinon, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Grosse ferme sur ce logiciel, c'est un logiciel très vieux. Exactement, ils pourront faire des rendus propres, bien sûr. Bon, rendu relativement stylé, voilà. Je crois qu'il n'est pas très connu, en fait. J'ai rarement vu de gens faire des tutoriels ou bien sûr montrer des rendus de ça. On voit souvent des rendus stylés sur Internet, mais on ne sait pas vraiment d'où ils viennent. D'où ils viennent, exactement. Alors que là, on vous explique comment y faire exactement. Voilà, ça sera plus pratique pour vous, bien sûr. Voilà. Donc voilà, on va se laisser là-dessus, bien sûr. Exactement, sur cette petite image d'Ophélie, mais bon, on va pas non plus attendre. On va pas attendre un siècle et demi pour vous montrer cette petite chose, et je pense qu'il aurait peut-être même surchauffé l'ordinateur. Exactement. Alors, c'est tout ce qu'on va dire. On va peut-être vous faire un tuto en attendant la .5, puisque je pense que la .5 n'est pas pour tout de suite. Peut-être un tuto sur comment faire un donjon. Ah, pourquoi un pas. Un donjon, bien sûr... puisque
fallait base bien sûr pour créer un jeu, hein, donc ouais, les systèmes principaux, jeu, etc. Ouais, qu'est-ce qu'il faut passer? Est-ce qu'il faut passer que le joueur accueille? La réponse est oui, bien sûr. Est-ce qu'il faut passer bien sûr que le jeu doit être reset bien sûr après chaque passage? Voilà, si vous faites ça sur un serveur, c'est très très important. Exactement, pour que d'autres personnes puissent refaire le jeu après le passage des joueurs. Voilà, etc. On vous expliquera ça dans une autre vidéo, bien sûr. Exactement. Allez, salut à tous. Salut à tous. Test ce côté pour assez aussi au fort, bien sûr, rien compris, test essaye, j'apprécie être un peu plus fort, on va voir. Alors tentative numéro 2, bien sûr, on va voir si le C est aussi fort des deux côtés. Alors, tentative sur ce micro là pour voir, bien sûr. Alors on va voir si le C est du de la même amplitude, très simplement. Alors je retête, ça ceci est le micro numéro A bien sûr. Alors j'essaie de voir à peu près si les courbes 7 de la hauteur. Voici le micro numéro 2 bien sûr. Alors je tête, je pèse, ça a l'air plutôt bien, hein, voilà. J'enregistre le 7. Si tu enregistres le 7, je te suis.